Coman, Thomas Muller, Alaba, and in goes Choupo-Moting, and Bayern have the breakthrough. Yo les warriors, bonsoir à tous. Je suis complètement dégoûté parce que le PSG s'est qualifié, tu vois. Face au Bayern de Munich, c'est plus le Bayern de Munich, ça c'est Bayern Team Munich. Ils ont trop Team Munich sur le terrain ce soir, c'était abusé. Moi je comprends pas. Au match aller, ils étaient là, tu vois. Ils ont fait 41 tirs ou je sais pas quoi, ils ont mis que 2 buts. En gros, ils ont dominé tous les débats au match aller, il manquait plus que les buts. Mais ce soir, je sais pas, je les comprends pas. On dirait qu'ils sont venus avec le frein à main en fait. Je sais pas, moi, il y a un truc qui est bizarre là-dedans. Au match aller, le Bayern, ils ont dominé les matchs, ils ont dominé dans tous les comportements du jeu. Ils ont juste pas réussi à marquer un but, tu vois. Et ce soir, je sais pas, j'ai pas reconnu le Bayern, tu vois. C'est abusé. En même temps, quand t'as Choupo-Moting en attaque, c'est pas parce qu'il a marqué un but que voilà, et lui, il pèse pas sur les défenseurs. C'est pas comme Lewandowski, honnêtement. Quand tu regardes le banc de touche du Bayern, il y a des joueurs qu'on connaît même pas, tu vois. Comment tu vas aller loin comme ça avec des joueurs inconnus, tu vois, c'est incroyable. Ce soir, le Paris Saint-Germain, tu vois, ils ont mis un peu le pied sur le ballon. Donc du coup, le Bayern, ils ont eu du mal en fait à produire leur jeu, tu vois. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, ils n'ont pas eu de ballon. Donc du coup, je sais pas moi, ils ont été un peu freinés, tu vois. Ils ont été un peu abattus ce soir-là, j'ai pas compris. Et Neuer, là, au lieu de faire des arrêts ce soir... C'était au match aller qu'il fallait faire des arrêts, tu vois, notamment sur les buts de Mbappé, t'as fait n'importe quoi. Et là, ce soir, t'essaies de faire mec et tout machin, mais le match aller, il fallait se concentrer, tu vois. C'est un truc de fou. Et là, ce soir, bah, du coup, le Paris Saint-Germain, ils ont eu beaucoup d'occasions par rapport au match aller déjà. Donc, ils ont tapé sur les poteaux et ils ont pas marqué, tu vois. Ils ont pas marqué, mais là, c'est un truc de fou. Le nombre d'occasions qu'ils ont eu et tout, à chaque fois, il y avait action de but pour eux, tu vois. Et ce soir, ils n'ont pas eu la finition. La finition était du côté du Bayern, notamment c'était un but de Choupo-Moting. Mais bon, c'est pas parce qu'il a marqué que ça y est. C'est en même temps, tu veux faire quoi quand t'as Choupo-Moting en fait? Choupo-Moting en attaque, les gars, c'est incroyable. C'est Choupo-Nothing, tu vois. C'est un truc. Laisse tomber. Il se bat, mais bon, sans plus, tu vois. Tu peux pas t'appuyer sur lui. Il pèse pas sur le défenseur. C'est pas un mec qui provoque et tout. C'est pas un Lewandowski, tu vois. Ça se voit aujourd'hui qu'il manquait Lewandowski. C'est dommage pour le Bayern, tu vois. Donc. J'ai pas compris pourquoi ce soir, je sais pas, on dirait ils ont pas dû se qualifier, tu vois. Ils sont venus ici, ils ont pas mis l'envie, machin, ils avaient pas beaucoup d'intensité au début du match, tu vois. C'est juste vers la fin, en deuxième mi-temps, ils ont essayé de pousser un peu, tu vois. Ça, je comprends pas, tu vois. Ça, c'est pas le grand Bayern, en fait. Contre le Barça, vous mettez des 8-2 et tout, tu vois, vous êtes là, machin. Et contre le PSG, frère, vous êtes même pas capable de marquer 4 buts, tu vois. C'est incroyable. Et là, voilà, ce soir, je sais pas, moi, en défense, il y avait même pas Marquinhos et tout, mais ils ont galéré, tu vois, tu imagines. C'est ça le problème. Il y a l'autre aussi, là, le roi Sané. Moi, je comprends pas ce mec. Le roi Sané, mais. Frère, comment il fait ce mec-là? Je comprends pas. Il a pas de finition, il a zéro finition. À quoi ça sert en fait de les 40 minutes du joueur? Au final, tu marques un but en fait. C'est quoi ça? Laisse tomber. Voilà, je comprends pas. Faut m'expliquer. C'est le football, faut être réaliste en fait. Surtout dans le haut niveau. Ça sert à rien de dribbler tout le terrain. Hein. Au final, tu marques pas en fait, tu vois. C'est ça qu'il faut qu'il se mette dans la tête, tu vois. C'est un truc de fou, je comprends pas. Et là, Kimmich, aujourd'hui, on l'a pas trop vu. Müller, laisse tomber, à part râler, il a rien fait sur le terrain. Il y avait que Coman qui essayait un peu, mais laisse tomber, il était trop tout seul, tu vois. Et en défense, il y avait trop de boulevard. Et bah, le Paris Saint-Germain, honnêtement, ils méritent leur victoire, en fait, faut dire la vérité. Parce que là, ils ont pris le match du bon bout, ils ont mis de l'intensité dès le départ et tout. Ils avaient eu le ballon, tu vois, par rapport au match aller, ils ont pas eu beaucoup de possession. Parce que là, ils ont rectifié le tir et tout, tu vois, ils ont pas laissé beaucoup d'espace. Donc ça fait que le Bayern, ils ont pas pu imposer leur jeu, tu vois, ce soir. Je comprends pas, moi, la tête de. J'ai du mal à croire en fait que le Bayern se faire comme ça, laisse tomber, c'est pas possible en fait, tu vois. Et avant le match et tout, vous avez trop parlé trop vite. Ouais, nous sommes le Bayern et tout, on va passer, nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts, c'est sur le terrain qu'il faut montrer quand t'es plus fort, tu vois. Ça sert à rien de parler trop vite. Avant le match, faut pas parler, c'est après le match qu'il faut parler, tu vois. C'est ça en fait. Vous avez trop parlé Kimmich et tout, Müller. Faut pas trop parler avant le match, voilà. C'est quoi ça? Voilà, vous m'avez déçu ce soir là, truc de fou, tu vois. Et maintenant, le PSG va gagner la Ligue des Champions, ça y est.